Martin qui est en tête, mais n'est pas gagné cette course encore pour le courant moment. Il va être repris. Il va être repris avec Julien Simon. Angelo Tulit. Julien Simon toujours en tête. Julien Simon, Warren Barguil. C'est Warren Barguil qui est champion de France. Au finish. Yo les gars, c'est Marvin Gaming. Donc on se retrouve au départ de Grand Prix de Bessèges, qui est un des objectifs du sponsor, donc course très importante. Grand Prix de Bessèges, logiquement 4 arrivées au sprint. Donc nous, ça va tout être pour notre leader Nasser Bouhanni. On regarde un peu le profil de l'étape, c'est vallonné, il peut passer. On se retrouve pour les 20 derniers kilomètres. On se retrouve à 19 km de l'arrivée. Donc on va venir mettre en place notre train. On va faire pause. Mettre notre train en place. Tac, tac. De la place. On va changer Russo. On va demander à Russo. De se mettre à rouler. Pour pouvoir étirer le peloton. Donc on voit qu'il y a une échappée devant. Ils ont encore 49 secondes d'avance, on voit que c'est le groupe AMA FDJ qui roule pour Marc Sarro. Avec Russo, on va vraiment essayer de profiter des 15 derniers kilomètres. On voit qu'il y a Mathieu Van Der Poel qui va être un concurrent sérieux sur ce sprint. Là, Russo, il faut vraiment qu'il permette au train de Arkea de se mettre en place. Et on voit que c'est ce qui est en train d'être fait. Russo qui accélère. On voit que malheureusement c'est plein de petits virages à chaque fois. Ça avantage les échappés. On voit que Russo arrive au bout de l'effort. Donc on va demander à Vachon d'y aller et à Russo de le protéger le temps qu'il peut. Nous, Nasser Bouhanni est toujours là. Donc on a 9 km. Lorient Vachon de gérer son effort un peu plus. On voit qu'on est en train de rentrer sur les échappées. Que le peloton est scindé en deux. On voit qu'on est plus que 60. Ça a coupé. Donc, il y a un petit duel de train. Hop. 7 km. On va demander à Anthony de la place de prendre le relais. Vachon de ne pas gêner. On voit que c'est Anthony Delaplace qui fait l'effort, on voit qu'il y a une grosse bataille avec le train de FDJ. On va 4 km, on va demander à Maxime Bouet de prendre le relais. Delaplace dans la route Bouhanni. On va prendre le jeu avec le leader. On va demander à Nope de venir lancer le sprint. Le but c'est de lancer le mieux possible. Nasser Bouhanni, 1 km 200, on va demander à Nasser Bouhanni. On voit qu'il est enfermé un peu, c'est un sprint chaotique, on voit qu'on a McLeay qui est devant. Est-ce que Nasser est capable de revenir? Et on voit McLeay Van Der Poel, et on voit la victoire de Van Der Poel devant McLeay, Bouhanni, Cocquart qui finit 4ème. Donc on voit que logiquement Bouhanni est plus fort, mais que là on n'a pas eu le temps de sortir assez vite du sprint pour ne pas être gêné par le dernier virage. On se retrouve au départ de cette deuxième étape du Grand Prix de Bessèges. On va venir voir le graphique. Une étape légèrement vallonnée. On voit une arrivée en faux plat montant qui risque de favoriser les punchers du type Mathieu Van Der Poel. Donc, nous, niveau punch, on va venir voir. Nasser Bouhanni, malheureusement, il a moins 1. Notre leader, un petit plus 1. Donc, on se retrouve dans les 15 derniers kilomètres pour choisir notre leader. On se retrouve à 19 km de l'arrivée. Ça va être l'heure de venir mettre en place notre train. J'ai étudié l'équipe un peu et Florian Vachon a un plus 2, ce qui lui donne plus 2 en vallon. Et il a pas eu notre mauvaise en sprint en accélération. Et Nasser, je suis pas sûr qu'il passe. Donc du coup, on va jouer comme si c'était Florian notre leader. On va jouer comme si c'était Florian notre leader. Et si jamais Nasser Bouhanni réussit à le suivre, bah, ce sera tant mieux. Sinon, bah, on aura fait le maximum. De rouler, de protéger,
Là, le but, parce que encore une fois, c'est une course de côte, hein. Donc là, le but, c'est de se placer le mieux possible. On voit qu'on est 80 dans le peloton, qu'il y a eu un peu de casse. Donc là, ma clé qui va faire un travail très important pour replacer ses leaders. Lui, l'habituel poisson pilote de Nasser Bouhanni. On voit que notre train est en place, que tout le monde est placé. Il faut juste éviter les cassures. On va demander à ma clé d'accélérer encore. Vachon par exemple dans les cassures, donc c'est là où c'est que c'est très important de pouvoir mettre en place notre train. Voilà, notre train est placé, on est à 13 km de l'arrivée. Donc là, le but, toujours pareil, là on est sur la boucle. Le but, c'est de rester en tête et que nos leaders soient bien placés, qu'ils soient pas gênés. On voit que ma clé arrive au bout. On va 11 km. On va demander à Rousseau de prendre le relais. Ma clé, tu peux te garer sur le côté. On voit qu'il y a des équipiers qui travaillent. On voit qu'il reste encore une petite montée et après on arrivera vite sur le dernier mur. On va demander à Rousseau de rouler très très fort. On voit que nos leaders sont là. Florian Vachon, Nasser Bouhanni, en espérant que Nasser puisse passer, sachant qu'il y aura la concurrence de Mathieu Van Der Poel, qui risque d'être un épouvantail sur ce genre d'arrivée. On va demander à l'avant-dernier équipier, qui est Maxime Bouée, de rouler avec son petit 71 wallon, faire la différence. On voit qu'on est à 3,5 km de l'arrivée. Plutôt bien, 3,5 km. Hop, 2 km, on va venir prendre les gels avec tout le monde. Là, on voit qu'on rattrape un groupe de retardataires, donc c'est pas forcément l'idéal. On va demander à Delaplace de lancer le sprint. Hop, maintenant, ça va être au tour de Florian Vachon. Allez, Nasser. Allez. On voit qu'il y a Mathieu Van Der Poel et nous on est au contact, on se bat avec Vachon et Bouhanni. On voit la victoire de Mathieu Van Der Poel devant Kort Nielsen, Vachon 3e et Nasser Bouhanni 4e. On se sera bien défendu face à l'ogre qui est Mathieu Van Der Poel. On se retrouve au départ de la 3e étape. On va venir faire le point au niveau du classement. Nasser Bouhanni est 3e à 16 secondes. Il va falloir gagner les 2 étapes restantes et espérer que Mathieu Van Der Poel ne finisse pas doit être en premier. Donc là, pour ce sprint-là, on a un petit plus 1, ce qui va nous aider. Donc on se retrouve pour l'emballage final. Mettre de l'arrivée. On va venir mettre en place notre train, même si on voit que nos équipiers sont fatigués. Faut qu'on le fasse. Maxime Bouée, plein de bruit. Donc nous là on est là à 16 km, donc on va demander à Rousseau de venir rouler, on voit que l'échappée compte encore 40 secondes d'avance. Donc c'est pour ça qu'il va falloir venir rouler avec Rousseau. On voit qu'ils sont devant là-bas. On voit nos principaux concurrents, Kort Nielsen et Mathieu Van Der Poel. Il va vraiment falloir aller chercher la victoire aujourd'hui avec Nasser Bouhanni pour espérer remporter le général. Là on voit les équipiers de Marc Sarraut qui roulent, l'Armirail. Demander à te mettre un effort curseur Rousseau. L'échappée compte 50 secondes d'avance. On est à 11 km. Attends, c'est au tour de Florian Vachon. Faut bien gérer, parce qu'il faut essayer qu'il nous amène jusqu'au 6 derniers kilomètres, Florian Vachon. L'échappée compte encore 34 secondes, les 3 hommes devant, les 5 hommes, pardon. Là, on voit que c'est Pérez qui fait l'effort avec Stuyven et Pedersen. On voit Van Der Poel, Sinkeldam et Kort Nielsen qui sont déjà très bien placés. On voit Florian Vachon arrive à bout. Donc là, c'est au tour d'Anthony Delaplace. Hop, Anthony Delaplace avec Knop, Maclay et Bouhanni dans la roue. On voit que l'échappée compte encore 23 secondes d'avance.
On est en place. Allez, Cantona, on voit qu'on va venir rouler encore plus fort. Hop, on va pas venir prendre les gels. À 3 km, on va demander à Nop de lancer le sprint. Hop, on est parti, qu'on a quasiment fait une cassure. Là, on va demander à Maclay de lancer son sprint. Et là, 1 km 100. Allez, Bonny, avec Maclay. Hop, on voit qu'on a réussi à partir et qu'on va venir célébrer cette première victoire de Nasser Bouhanni devant Maclay. Et on voit qu'il y a eu un trou qui est pour l'instant de plus de 23 secondes. On voit qu'on vient faire 1, 2, 3, 4. C'est la première fois que ça m'arrive. Et on voit que le leader vient finir seulement maintenant. Donc logiquement, on devrait récupérer le maillot jaune. Donc on se retrouve pour le podium. Trouve tout de suite pour le résultat. On voit le triplé pour Arkea, Samsic, même le quadruplé, et on voit qu'il y a une cassure de 25 secondes. Donc, au général, Nasser Bouhanni a fait le travail et reprend le maillot de leader à Mathieu Van Der Poel. On se retrouve pour la quatrième et dernière étape de cette étoile de Bessèges. On se retrouve au départ de cette dernière étape. Où on va devoir essayer de conserver notre maillot de leader avec Nasser Bouhanni, qui est un petit plus 1. Je pense que c'est du domaine du jouable, même si l'arrivée correspond plus aux qualités de Mathieu Van Der Poel. On se retrouve dans les 20 derniers kilomètres. On se retrouve dans les 19 derniers kilomètres. Donc on va venir mettre en place notre train. De la place. Demander à Maxime Bleu de rouler et à Florian Vachon. Ah, j'avais pas vu. Donc là, on est en rangée. Devant, je crois qu'il y a Mathieu Van Der Poel. Je vois qu'il y a eu des cassures. Il y a Magnus Carlsen. Donc là, on va venir carrément changer notre tactique. Donc là, hop. Là, on est vraiment en danger. On va demander à nos coureurs de rouler. Parce que là, on est en train de perdre. On est en train de perdre notre maillot, donc là on voit qu'on réussit à revenir petit à petit. Faut surtout, là c'est les 1,39 de retard. Ce sont les plus dangereuses pour nous. Faut réussir à boucher le trou. On voit qu'on va être les seuls à rouler. On va même demander à Maclay de relayer, c'est pas grave. Le plus important c'est de revenir. Le plus important, c'est de revenir sur eux. Allez, on le gèle avec tout le monde. Hop, on voit qu'on est revenu. Allez, il n'y a qu'une vingtaine de secondes pour réussir à boucher l'écart. On va demander à Maclay de prendre la roue. De la place et à Rousseau de protéger. Hop, voilà. Donc là, on a réussi à revenir. Donc là, on va venir faire un point. Savoir qui y a devant. Personne de dangereux général. Okay. Donc là, on va pouvoir la jouer pour aller chercher, non pas la victoire d'étape, parce que ça me paraît trop compliqué, mais pour aller chercher la première place du peloton. On vient de sauver le maillot jaune de leader de Nasser Bouhanni, alors que c'était très très mal embarqué. On avait plus d'une minute 40 de retard. On va demander à Rousseau de relayer. On peut peut-être revenir si on est fort sur le sprint final.
Allez, la CR. Voit qu'on réussit à revenir très fort. Mais non, on avait lancé de très loin pour essayer de revenir. On voit la très belle victoire de Tony Hurel devant Damien Godin. Et nous, c'est Mathieu Van Der Poel qui vient remporter le sprint du peloton devant Magnus Gornilson et Marc Sarraut. Et nous, avec Nasser Boigny, on réussit à conserver notre maillot orange de leader de l'étoile de Bessèges. Donc le premier objectif de l'année est validé. Espérons que les autres suivent. But that's all right. Hush.